Est-ce qu'il y a du monde aujourd'hui? Voilà. Voilà. Bien changé, ça. Oh, c'est décalé, ça. Mais ça a changé de fou. Mais oui, regarde. C'est des structures en métal. Ah ouais. Danger, travaux en cours. Ouais, donc faut pas rentrer, quoi. Ah ouais. Ça rigole pas du tout. Putain, le capitaine, il a vraiment mis une baliste sur ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Ça va, Torto? Ça va finir au labo, hein. Alors ça, ouais. Ça, c'est sûr, ça va finir au labo, hein. Oh, je suis mort. Oh, il y a du monde en face. Il y a... Ah ouais, ouais. Mais tiens, bah, on va. Ah oui, il faut qu'on vende quelque chose, capitaine, on a bien bossé, hein. Ouais. Vous allez être fiers, hein. Oui, bah avant, je veux mon steak frites, putain. Essayons. Ouais. Après, vous pouvez monter votre cuisine d'abord. C'est bon, capitaine. Capitaine, c'est bon. Alors, d'abord, monsieur Torto, et après, à vous, capitaine. C'est bon. Fallait combien, capitaine? Je vous écoute. Bah, on a réalisé un prototype. Par contre, c'est rouge. Assez fonctionnel. Ça va pas, rouge. Pour faire des choses assez incroyables. Il faut bleu, pas rouge. Je vous en dis pas plus. Ah, si. Mais c'est prêt. Couleur du. Vogel. Bleu. Bleu. Ouais, hein. Il parle fort. Après, la sécurité vient nous voir en disant ouais, on est en galère de foutre un caillon. Oh, mais je comprends mieux pourquoi. Ah oui, je comprends, c'est vrai. Ça va mieux, chef. Je l'écoute. Ils ont arrêté. Habile. Je l'écoute. Bah du coup, je vais aller chercher le cristal et on va pouvoir procéder. Ah, ça vous dit pas d'aller à l'abri, hein, parce que... Ça va être bien. J'arrive. Oui. Bon. Merci. Du coup, mesdames et messieurs, bienvenue à tous pour la démonstration, comme a dit le capitaine, du tour de magie. Mesdames et messieurs, nous avons c'est mis au point... Science. Avec Torto. Voilà, de la science, comme il dit. Nous avons mis au point une invention qui permet de capturer le corps ainsi que l'âme d'une créature pour la mettre dans un tout petit objet que l'on pourra stocker dans un ordinateur que nous avons conçu exprès afin d'ordonner et d'avoir beaucoup moins de créatures sur notre territoire. Et maintenant, pour la présentation, je vous invite à tous vous diriger vers l'énorme créature qu'il y a là-bas. Allons-y. Je crois que ça arrangera toi, la petite bouboule, ça. Eh bien justement, je fais exprès de prendre le plus gros pour prouver que ça marche. Oh. Même si je suis pas sûr que ça marche. Je suis pas sûr, hein. Ouais, on va essayer. Hein. Vous y tenez pas trop, j'espère, à cette monsieur, hein. On sait jamais, hein. Si. Ok, bon. Oui. Eh bien, comme on dit, Inch'Allah, ça passe. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous présenter... Comment on dit quoi? J'ai pas entendu. Inch'Allah, ça passe. Inch'Allah, ça passe. Bah oui, il passe, le chat. Voilà. Allez, du coup, mesdames et messieurs, je vais vous montrer l'objet. Voilà. Vous le voyez. Ah oui, il faut s'approcher. Faut bien s'approcher, ouais. C'est pas très voilà, grand. Voilà, c'est tout petit. C'est une boule de cristal? Non. C'est de la science. C'est de la science. C'est la science. Oui. Ah bah merde. On lui a pas donné de nom d'ailleurs. Vous voulez lui donner un nom, capitaine? La boule de science. Non, la boule je pense. Ouais, c'est la boule de science. Je pensais aux boules de Torto et Raynor. Les boules de Torto et Raynor. C'est de la merde, ça. Voilà. Bah, quoi? C'est qui les inventeurs? Les scientifiques Torto et Raynor. C'est moi. Et d'habitude, les scientifiques, ils nomment leur expérience avec leur nom ou leur prénom. C'est la boule de Torto et Raynor. Ah, j'avoue. Vous avez une proposition, sergent? Ouais, j'ai... la boule de Torrey. Position, mais ah ouais, ou la torte ball. La torte ball. Non. La torreille. La torreille. Non, bon, montrez ce que j'ai fait, on trouvera un nom après. Ah, allez. D'accord. Bon, alors, normalement, avec le système, je dois appuyer. Alors, je dois me mettre devant. Je dois appuyer comme ça et le tendre. Et normalement. Moi, je m'écarterai à votre place. Normalement. Ça peut exploser. Ouais, faites attention. Ok. Et c'est parti. Oh, oh la vache!
dieux. On l'a marché à la bastion là. Ça a marché. Allez dedans, allez dedans. Dans la tour, boy. Voilà, regardez. Ah. Alors ? Mais non. Si. Tiens. Mais non. Si, si. Bah, tiens. Et pour l'opération inverse que tout le monde... Faut la jeter. Un grand choc. Touche le sol, plouf. Ouais, un grand choc. Vous la jetez fort contre le sol. On s'éloigne. Comment ? Hop là. Wow. Ah, je l'ai lancé un peu loin, elle a tapé le caillou là-bas. C'était là. Et voilà. C'est bon, il pète ça. Oh merde. Voilà, ça va. C'est là, cette connerie. Il a failli m'écraser. Oh, tu veux voulu m'écraser ou quoi? Non. Tu ça va, chef? Allez, bon, pas eu la. Ah, oh, je suis complètement malade, hein. Je vais vous montrer que ça marche. J'ai vu un petit très près. C'est pas tout, hein. C'est pas tout, capitaine. Regarde. Voici l'ordinateur. Il va vous montrer. C'est bon, Pierre. Voilà. Et normalement... L'ordinateur pour stocker une monument. Oh. En fait, bonne, elle doit être vivante. Et voilà, regardez, je l'ai mis à l'intérieur. Romy. Contrôle-moi ça, que ça fonctionne sans essayer, problème, capitaine. Sans dysfonctionnement. Ok, chef. Ah oui. Mais on vous cherchait pour savoir par rapport à l'excursion de ce soir. Oui. Quel est votre programme, capitaine? Ah, mon programme. On s'est buté des trucs. Ah, vous avez pas d'ordre pour ce soir? Si, non. Oui. Le crâne en feu. Oui, ouais. Le crâne en feu. Ah, bien de pierre, je sais plus quoi, la trique volcanique. Ah oui. Ouais, la pierre noire, ouais. On a besoin de cette pierre. D'accord. Voilà. Très bien. Et c'est quoi, c'est toute la colonie qui part ou comment ça se passe? Ou c'est que vous? Bah moi je pensais partir avec 3 mecs en mode réduit, vous voyez ce que je veux dire maintenant. Ouais, très bien, très bien. C'est peut-être un peu bon, comme vous voulez. Bah si, non, c'est quoi? Je vous invite. Partons ensemble. Pas refuser du coup. Voilà. Ah, oui. On peut pas refuser. Bah non, vous pouvez pas. Bah non. Donc on va partir tous et toutes ensemble. Super. Sur l'île d'Ukraine. On est content, capitaine. Sergent, vous prévenez tout le monde. Vous faites la mise en place dans H-10 minutes. Je veux que ça soit prêt. Ouais, j'ai un 15h de mes couilles. C'est bon derrière. Zou. Ouais, c'est bon, allez. Ouais, bien vu. C'est un jeu de 3 mains qui tient haut là-haut. C'est haut. Les trois bateaux. Si Dieu veut. Et je connais pas du tout la suite. Ah, national. On connaît, hein. Oh putain. Oh la vache. Oh la vache. Foncez. Ah ben foncez, au revoir. Non. Oui. Ah merde. Attendez. Boule. Raté. Quoi? Hein? Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Vous cassez tout, capitaine, on a plus de radeau là. Mais c'est bon, il nous reste.
Si, si, il y en a encore un. Et il y en a encore un de l'autre côté. Ouais, pour l'instant. Et il y en a encore un. Non. Et il y a encore un radeau derrière. Il y en a encore capitaine, un de radeau. Vous vous rappelez la mission qu'on vous a racontée? Où on est rentré à la nage? Oui, on va la refaire. On n'était pas loin d'ici, hein. Affirmatif. Mais c'est aussi ces cons là-haut, s'ils attiraient pas la baleine, on leur dit longer la côte. Ils écoutent pas, ils longent pas la côte. Après, avec un bateau à moteur, côte, hein, on n'aurait pas eu ce problème. Ici, y a pas de côte, hein. Non, c'est trop risqué là, hein, Torto. Hein. Trop risqué le médicament. Je comprends rien, tu dis con. Ouais, mais je te le dis. Une fois qu'il s'engage, tu le menottes et tu le baillonnes. Et là, tranquillement, on le fait asseoir sur une chaise qu'il y aura sur le bateau. On passe tranquillement. Non. Ça passera pas du tout. Il a dit qu'il voulait un rapport et on a dit qu'on allait travailler dans la tour. S'il nous voit nous barrer avec le mess sur une chaise, c'est mort de ouf. Non, faut qu'on se déguise et là, faut que ce soit brutal, je pense. Tu veux qu'il soit brutal? Alors. Bah, je pense, là, il faut. Il y a trop de monde, faut que ce soit rapide. Ouais. On rapproche le bateau, après on va voir le capitaine, on papote un petit peu. Au moins que le bateau il soit tout près du mec. D'accord. On papote, t'as calme. Allez, je me couche. Ouais. Désolé. Ah, oh, bon. Bah, c'est pas de ma faute, hein, si je suis trop grand. Torto, on utilise quelle salle d'excutation là? Dernier étage, non? Mais allez, hop, ça part. C'est par où? C'est par là? C'est par le dedans. Je vous en prie, bienvenue au labo. C'est tout en haut. Merci. Ah, c'est joli. Ouais. Merci. Bah, venez vous installer. Hein. Bah, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Voilà. Ah ouais, non, je pensais que j'allais toucher le toit. Non, c'est fait exprès, tout est bien géré. Alors, bon. Vous allez prendre ces médicaments-là? On va commencer sur les premiers tests, hein, prise de sang. Bah, on va déjà on va expliquer un peu la marche. Bon, marche habituelle, on va faire tout d'abord une prise de sang pour faire des tests directement sur votre sang et évaluer si vous n'avez pas des maladies qui seront cachées ou quoi que ce soit et qui pourraient être dangereux pour la colonie, hein, voyez. Ah, ça y est, il nous a quittés. Bon, on va faire le nécessaire, hein. Tenez, il y a une petite dame qui a un problème. Regardez, madame, balancez-lui ce que vous me balancez. Là. Merde. Oh. Un souci de... Voilà, oh merde. Je vais comprendre. C'est un peu long. Oh là là. Oh là là. Ça tourne mal. Oh, je sais pas comment on va se démerder, hein. Et pas chez le garde pour le moment. Non, c'est pas chez le garde. On vient de sortir à l'instant, monsieur Torto. Voyons, oh. Oh, et ça s'est bien passé, tout le monde est rentré vivant, voyez. Vous faites une sortie sans nous prévenir. Et il y a des problèmes. Et on perd l'équipement de la... Ah merde, faut pas qu'il se noie. Ça va, t'as l'oxygène, toi?
Merde. Ah, je peux pas le grappin. Oh là là. Si je monte. Bonjour. Bonjour. Alors je suis désolé, mais vraiment, vous avez dormi si longtemps, vous avez vécu tellement de choses. Tout va bien se passer, d'accord? Bon, vous avez des menottes au poignet, vous voyez bien. Eh oui. Et encore, vous avez rien vu. Vous connaissez le ski nautique? Non. Bougez pas, je vous montre. Avancez un petit peu vers moi, vous allez voir, c'est incroyable. On va vivre une sacrée aventure tous les deux. Allez, ça part. Tout va bien? Ça vous plaît? Ouais, j'ai la tête qui tourne, ça va trop vite. Ah, ça vous tire fort, hein? Ah oui, ça tire fort, cette chose. Oui. Ah, lui, il vit un kidnapping incroyable. C'est pas fini, hein. Allez, atelier suivant. Balade! Allez, monte devant moi, ça va te plaire. Ah, je sais que t'as pas trop le choix. Hein. Allez, c'est parti. Ouais, d'accord. Voilà, moi, jusqu'à derrière. Bon, mais du coup, vous posez peut-être des questions. C'est normal. Il m'arrive. C'est pour la science. Ah non, je veux pas être un cobaye, moi. Hein. Ah bah là. Je suis désolé, hein. Je vous l'ai dit, hein. Bienvenue, mon cher ami. Ça va? J'ai un bout de souffle. C'est profond quand même. Ouais, c'est profond, 43 mètres. Ah ouais, quand même. Ah bah d'accord, c'est moi plus de 2 mètres. Ah la vache. Ah ouais, non. Bon, bah du coup, bienvenue au labo numéro 9. Ah, il y a une huître au travant. Ah, il y en a pas un, ouais, il y en a pas mal. Et voilà, on a une belle collection. Ouais, ouais. Vous, je vais vous mettre là. Ah non. Ah bah si. Non merci, je suis pas d'accord. Attendez, vous venez vraiment de sortir une spatule là. Ah, je me laisserai pas faire. Ah. Cyril, fais pas le con. Tu m'as fait peur, Cyril. J'ai pas envie de te faire de mal. Ça c'est vrai. Eh oui. Donc ce qu'on va faire, Cyril, c'est qu'on va vous extraire votre gène de taille. Comprenez? Pas trop d'accord, quand même. Je me doute que vous êtes pas d'accord. Mais vous avez pas le choix. Eh oui. Parce que comme vous pouvez le constater, vous êtes menotté dans une salle fermée à double tour. Dans un labo qui possède 5 portes d'épaisseur et des dizaines de murs également. Plus qu'il est à 43 mètres de profondeur sous l'eau. Non, il n'y a pas un lit. Toutes les personnes qui sont passées dans cette salle n'ont pas eu besoin de lit. Je suis désolé. Bon, du coup, monsieur Cyril. Alors, passons aux choses sérieuses. Ouais, ah. Pendant ton sommeil, Cyril, je vais procéder à l'extraction de la gène. Mais à la récupération d'ADN, d'accord? Lorsque ce sera fait, Cyril, il y a moyen, je dis bien, il y a moyen, que du coup, ton âme quitte ton corps
et repartent, Fissa, vers le cryopode auquel tu es assigné. Oui, parce que ton corps risque de mourir, Cyril. Cependant, ton esprit va vivre. Donc ne panique pas, tout va bien. Hein ? À vous. Non mais ! Pas déconner ! Non mais ! J'ai pas couru, mais je sais taper. Ok. Allez ! On va taper ! Résistance, petit. Franchement incroyable, Cyril. Ça va être le plus vieux de la colonie, c'est le plus solide. Je suis choqué. Eh Cyril, sois fier. Hein. T'es le plus dur de tous. Hop, le petit bon bec. Ça va être bon pour le prélèvement, là. Cyril, fais gaffe, tu saignes. Hop, extraction. Récupération de la dépouille. Ah, vous êtes là. Monsieur Reiner. Vous avez pas vu Torto ? Bah je sais pas trop en fait. Si, il est avec le capitaine, on va dire. Ah super, je vais aller voir. Ouais bah attends, mais des fois il y a des trucs ici. Ah vous êtes là ? Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Mais je sais pas, je me suis retrouvé à poil dans la jungle, et vous ? Ouais bah moi je me souviens de rien, je me rappelle que je me suis endormi dans votre labo et que ensuite je me suis réveillé dans ma cryo, c'est tout ce que je me rappelle. Oh là 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 là. Je me retrouve à poil. Je me rappelle même pas ce qui s'est passé. Dites-vous, on faisait les expériences là quand vous étiez endormi. Il y a eu une explosion et j'ai plus de souvenirs, je me suis retrouvé à poil dans la jungle, tout là-haut là. Et vous ? Ah oui, vous m'avez dit cryo. Bah non, ah merde. J'étais dans votre labo, j'ai dormi et c'est... Après ressortir et aller chercher, je sais pas, moi, un peu de pierre ou un petit truc comme ça. Je suis même pas motivé à y aller. Tu m'étonnes. Parce qu'il nous est arrivé, on peut le ciel. Je t'ai retrouvé quelque chose. Par contre, l'état, je sais vraiment pas ce qui nous est arrivé. Hein. Il est un peu brûlé sur les bords, tiens. Hein ? C'est à toi, ça. Putain, ouais. Il est tout brûlé. Ah, un petit peu, ouais, je suis désolé. Il était dans la salle, hein. Ouais. J'en avais pas qu'un seul. Oh putain. Ah, moi j'en ai retrouvé qu'un, il était sur une torche. Aucun sens. Putain, 35 ans que je les ai, je les nettoie tous les jours. Désolé. Hein.